Salut à tous les amis, c'est Fio et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode hors série de Age of Empires 2. Pourquoi hors série? Et ben comme je l'ai expliqué dans le précédent épisode, Dracula ce n'est pas la première campagne, mais comme je vous ai promis qu'on allait la finir, et ben du coup, c'est parti et on va donc finir enfin cette campagne. Alors la vidéo risque de durer assez longtemps, je vous le cache pas, tout simplement parce que c'est une mission très très longue. Donc je vais quand même essayer de faire mon maximum pour la rendre la plus courte possible. Alors ça déjà ça me saoule là que un petit villageois bloque le passage quoi. C'est toujours comme ça, c'est ouf. Alors voyons voir. Alors oui, comme toujours, je vais peut-être me répéter, mais bon voilà, j'aime pas le fait de cliquer sur les personnages. Ça a un peu abusé quoi. C'est vraiment chiant ça. Hein. Alors faudrait que je regarde le script, mais je pense qu'en fait ici quand le personnage s'arrête là, il disparaît ici en fait. Et il me redonne un autre personnage de l'autre côté, je pense. Je pense que ça va être comme ça. Le problème c'est que j'ai aucun moyen de savoir puisqu'on peut pas revenir là ensuite. Donc alors déjà ça, je sais pas pourquoi c'est là, on en a pas besoin. Hop. Et c'est parti. Ah, il a pas voulu partir avec eux. Bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Hop, nous on va passer par là pour aller ici en fait. Et pourquoi passer ici? Tout simplement parce qu'il y a un bélier, et ça c'est chose importante que j'ai oublié la première fois, c'est que c'est un bélier qui va nous permettre donc de défoncer les murailles beaucoup plus rapidement, voire même les tours. Donc c'est vraiment une bêtise de ma part de pas y avoir pensé avant. Alors là concrètement pour l'instant il va pas nous servir à grand chose tant qu'on va pas jusqu'à la prochaine ville, mais c'est toujours ça quoi. Hop voilà. On va attendre que Dracula se mette en place. Alors ils vont partir tout de suite à la bataille. Alors faut d'abord taper le canonnier parce que je crois que c'est lui qui fait le plus de dégâts. Ah bah le canonnier du coup il est pas mort, n'importe quoi. Alors 12 soldats, ah c'est pas assez ça, c'est encore j'ai encore perdu des soldats vêtements je pense. Oh là là, je suis déçu quoi. Je suis déçu. Alors pourquoi? Parce que tout simplement il faut essayer d'avoir le plus de soldats possible parce que sinon c'est extrêmement difficile. C'est pas une campagne facile hein, celle-ci. Alors voilà, bonjour messieurs, vous pouvez venir en place. Hop! Faites-vous plaisir. Et voilà, donc, ah oui, j'ai oublié. C'est vrai qu'il faut aller jusqu'ici. Alors pendant ce temps-là, on va tout simplement trier nos troupes en deux, chose que je n'avais pas faite avant. Donc on va mettre d'un côté ceux qui sont au corps à corps, d'un autre côté ceux qui ne sont pas au corps à corps. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça va nous permettre. Donc faut attendre qu'ils nous trouvent une solution. Voilà, il faut retourner au premier village. Donc on fait ça. Le bélier c'est à part, le moine c'est à part, ça va ici, et ça c'est va ici, voilà. Alors, hop, déjà on va récupérer ça.
et on va la mettre ici. Alors pourquoi je te sépare en deux? Tout simplement, c'est pour pouvoir mettre en première ligne ce groupe, c'est-à-dire le groupe du corps à corps, et en deuxième ligne ceux-là, c'est-à-dire qu'ils vont être protégés en fait par ce groupe, tout simplement. Alors c'est quoi l'intérêt? Ben c'est pour éviter que les distances se fassent attaquer au corps à corps. Avec le moine qui sera près de là. Ah, j'en ai oublié un soldat, un champion en plus. Alors venez tous vous placer ici. Et Dracula, on va le nommer numéro 5. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un cavalier. Donc ça a rien de nouveau. Mais par contre, le grand avantage qu'il a, c'est que il récupère de la vie tout seul en fait. Donc je vais m'en servir un peu comme tank. C'est-à-dire qu'il va passer voilà devant pour prendre les coups, les flèches et tout ça, et donc permettre ainsi à l'armée de vraiment tenir le choc le plus longtemps possible. Alors, bijoux messieurs, laissez-moi passer s'il vous plaît. Je ne suis qu'un pauvre petit malchant qui va foutre le feu à ta mine. Voilà, boum. Alors je vous rappelle, ça c'est vraiment extrêmement important puisque tous les hommes que vous avez ici, soit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vont complètement mourir et donc ça vous fait quand même 13 bonhommes de moins et c'est pas un luxe hein, quand on voit le nombre d'hommes qu'on a, surtout que là c'est bien des canonniers, donc des personnes qui font extrêmement mal au corps à corps. Voilà, j'ai que 22 bonhommes, c'est pas le plus simple. Ah mais le champion je l'ai toujours pas mis dans le 1 quoi. Ah ça me fait chier. Alors il y a deux solutions ensuite. Soit peut-être même plus tôt. Non, on va les laisser comme ça, là ça va être bon. Bon je vais essayer d'attirer en fait. Ah peut-être que les deux je vais les avancer. Voilà ici. Alors la solution c'est avec Mister Dracula d'essayer de les attirer un peu. Voilà, comme ça. On va peut-être reculer le moine un peu. Voilà, vous voyez, Dracula en tant que tank, ça marche plutôt bien comme technique. Ah, faut qu'il recule un peu sinon il va prendre cher. Ouais ben, faut qu'il recule là. Surtout pas face aux piquets. Alors les piquets je vous rappelle tout simplement c'est les meilleurs au niveau de l'attaque sur les cavaliers. Donc il en reste plus que deux. Ouais c'est bon, les janissaires font le boulot. Alors j'en ai perdu deux. Bon c'est pas trop mal de que deux. Par contre faut qu'il avance un peu, voilà. Ils se sont complètement désorganisés du coup. Voilà, alors. Une troupe ici. Une troupe ici, le moine qui va se mettre là. Alors c'est parti pour Mister Dracula. Donc de mémoire ici il y a un nonagre. Voilà. Très important, on va lui mettre sa misère. Ah et on revient parce qu'il y a un piqué et il fait très mal. En plus pendant ce temps là le moine il profite. Alors ouais alors eux ils m'ont bloqué la dernière fois, je sais pas du tout à quoi ils servent quoi, surtout qu'ils se battent jamais. C'est vraiment le mystère le plus complet pour celui-là. Voilà, donc maintenant il nous reste... Ah, il nous reste quand même encore des troupes, là. 4 bonhommes, bon, bah ça va aller. Je vais quand même attendre un peu. Ça veut bien que le moine, il s'en profite pour le soigner. Alors, voyons voir pour mes autres troupes. Voilà,
Ah, quand même un peu de blessé, mais bon, ça va aller. Ah, ça devrait être bon avec ce PV, ces PV. Si jamais ça chauffe trop, on va reculer. Allez, on revient. Et de toute manière, ils vont se faire attaquer par les autres. Voilà, parfait. Bon, il nous reste qui? Le champion. Alors du coup, le plus simple pour le champion, ils ont tous récupéré leur vie plus ou moins. Allez, on y va, tous ensemble. Et on va demander au bélier de déjà défoncer. Et voilà. Alors monsieur le moine, vous allez soigner l'armée. Alors lui, toujours en branleur. Alors maintenant, chose importante, quand votre bélier va arriver, il va prendre des flèches. Alors si vous voulez le sauvegarder le plus possible, tout simplement, vous mettez Dracula ici, il va tanker les flèches. Et comme ça, pendant ce temps-là, le bélier il passe sans prendre de dégâts. Et il va donc pouvoir attaquer la tour. Alors chose importante aussi, la tour elle ne peut pas attaquer à courte portée parce qu'il n'y a pas la compétence meurtrière qui a été développée. Donc du coup, une fois que le bélier est en place, vous pouvez ramener Dracula. Et on va ramener Dracula directement ici, comme ça le bélier pourra faire son boulot. Alors troupe 1 plus monsieur, vous êtes donc la troupe de corps à corps. Que deux bonhommes perdus, hein, je suis content de moi, hein, c'est pratique. Donc on va mettre eux ici, les distances ici. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour pouvoir retrier après. Surtout que là voilà, le bélier va avoir fini. Donc voilà. Normalement avec tous ces hommes, j'espère que ça devrait passer. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Ah il est là par contre, hein, monsieur le char, enfin le char, n'importe quoi, le bélier. Ah voilà, on a récupéré nos trucs. Alors ça c'est de distance, donc ça va ici, ça c'est du corps à corps, donc ça va ici. Ça c'est Dracula, donc il va là. Ça c'est du distance, donc ça va ici. Et normalement je n'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié, donc voilà, 20 hommes de plus. Il y a quand même peut-être moyen de faire quelque chose. Alors le bélier, on va lui demander de revenir. Alors hop, groupe 1. On va les placer ici, voilà. Ensuite, ici, on va nommer ça donc le groupe 2. On va les placer derrière. 3 ici. Pourquoi 3 il marche pas? Bah, on va remettre le moine en 3. 3. Voilà. Ah, il a quand même pris une flèche le bélier, bon c'est pas grave. Alors pareil que tout à l'heure. Alors ouais, par contre les tirailleurs qui s'avancent, ça va pas trop le faire ça. Peut-être avancer un peu la zone. C'était vraiment les coller ici. Ah, c'est vraiment pas pratique hein, les. On va mettre le moine plutôt là. Hop. Et Dracula. Et va repartir chercher de l'ennemi. Ouais, donc j'ai perdu un homme intérieur, bon c'est pas le pire. Quand même attendre un peu qu'il ait des distances qui viennent et maintenant c'est parti. Yo!
Bon, peut-être que si je mettais les distances sur le côté en fait. Peut-être que ça se passerait mieux, je sais pas. Alors je sais pas du tout comment faire en sorte que les distances attaquent aussi, je sais pas. On va peut-être les mettre là, ce sera peut-être mieux. Le moine on va le foutre ici en plein milieu, hop. Alors reste-t-il des hommes à attaquer par ici ou est-ce que je peux envoyer le bélier? Oui, il reste encore. Ah, il y a notre tour, alors ça va être bête de perdre ses troupes bêtement ici. Enfin, plus ça va, plus j'avance mes troupes parce que ça va, j'arrive pas quoi. Du coup, faut aussi que j'avance ce moine. Ah, je suis trompé. Bon allez, en espérant que ça marche maintenant. Alors, hop, ici. Il va bientôt passer à l'attaque. Alors avant d'attaquer la tour, je pense même que je vais essayer de titiller un peu les armées ici. Voilà, ils arrivent. Parfait. Oula, il y a du monde. Ouh, ça va être compliqué. Ah, faudrait que l'armée de corps à corps se mette au travail. Ça va être compliqué, je pense, hein. Ouh là 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 là. Ça sent les pertes à gogo, malheureusement. Ça fait quand même beaucoup de pertes, là, je trouve. J'avais 42 au départ, je crois, 9 pertes en tout. C'est assez problématique. Alors en plus, s'il reste du monde, non, ça a l'air d'être bon. Bon bah écoutez, on va faire soigner Dracula et on va envoyer le bélier. Alors le moine, il faudrait soigner Dracula en priorité, s'il te plaît. Oh, mais me dis pas que le billet peut pas passer, ça c'est chiant, hein. Franchement. Ça se voit que c'est vieux, hein, parce que les troupes elles décalent pas pour le laisser passer. Y'a rien qui se passe, c'est chiant. Alors c'est bon, alors comme tout à l'heure, Dracula. Oh, mais le bélier c'est abusé quoi. Non, faut pas qu'il reste là lui. Alors lui aussi. Faut qu'il tanque les flèches tout simplement pour que le bélier puisse passer tranquille. À la limite, je pense que je peux envoyer le moine le soigner. Non, mais c'est pas possible, ça vous restez là, bordel de merde quoi. Alors, ça va, il tanque plutôt bien. Plus après, avec une tour en moins, ça devrait être encore plus efficace. On va quand même attendre un peu, histoire qu'il récupère toute sa vie, ce serait mieux. Ah, il va s'arrêter là. Alors ensuite, il va falloir que je fasse la même chose, même technique. Qu'ils tiennent le plus possible et que bélier défonce les portes. Oh, mais franchement, je suis saoulé là. Ah, c'est 15 bonbons ça. Hein. Oh, ça va, lui, il tanque plutôt bien. Heureusement, hein. Si j'avais eu un deuxième moine, ça aurait été du luxe. Alors, vous avez vu, c'est vraiment économie d'armée le plus possible. C'est assez frustrant quand même. Hein. Ah, ça va, ça tient. Après, je vais pouvoir m'occuper des tours, donc ce sera parfait aussi.
crois que pour aller plus vite, je pourrais même envoyer l'armée en fait. Bah du coup, il sert plus à rien. Ouais. Ça va, il tente bien, il tente bien, il tente bien. En plus ces tours elles vont péter, c'est parfait. Ah, il y a des troupes là, ah oui c'est vrai qu'il y en avait ici aussi, putain va falloir se dépêcher. Là, ils sont en train d'attaquer mon bélier, non, hors de question ça. Ah c'est bon. Ils ont changé de cible. Bon bah du coup je peux envoyer directement Dracula chercher les petites troupes qui sont ici. Ma cavalerie d'éclairage est-il toujours là? Non il est mort. Hein. Bon on va envoyer un autre cavalier, voir ce qui se passe ici ensuite. S'il faut s'attendre à des dangers ou pas. Le pont est détruit, ça c'est con ça. Du coup le seul moyen de passer c'est par là. C'est par là en fait. Ok bon bah ça a dû être détruit, je sais pas. On va y avoir quelque chose pour que ça puisse laisser passer. Ouais. Alors du coup on va demander à tout le monde de se placer ici à la sortie. Alors même on va faire mieux, on va mettre ici et ici les distances, comme ça je vais pouvoir replacer mes troupes. Alors voyons voir où ils sont. Alors ça c'est mes trucs nouveaux. Ah, franchement c'est maigre de chez maigre, hein. C'est un peu abusé je trouve. Et donc ensuite il me faut les deux ici. On doit les mettre, voilà, ici. Bah écoutez, on est allé plus loin que la dernière fois, c'est déjà bien quoi. J'espère que ça va continuer jusqu'au bout. Alors du coup, j'ai toute mon armée numéro 2, ça c'est cool. Par contre, ça va pas compenser mes pertes, j'espère que jusqu'ici je vais pas avoir d'ennemis, sinon... Ça va être assez compliqué. Ils sont où tous ceux-là? Ah, ils ont fait le tour. Ah oui, parce que vous êtes des boulets, j'avais oublié. Putain, c'est ouf quoi. Même le bélier va arriver avant eux quoi. Ah, le moine, il a pas soigné tout le monde, dis donc. Bon, il va le faire ici. Là. Allo, c'est ici qu'on se place. Oh là là là. Allez, c'est parti. On se place. Et on va avancer prudemment parce que connaissant Age of Empire, il y a forcément. Ah bah, je suis con, j'ai envoyé Dracula. J'allais dire, il y a forcément une couille dans le pâté. Ah bah, déjà. Si ça veut pas avancer là, on est mal barré. Hein. Ah voilà, j'en étais sûr. C'est toujours comme ça de toute façon avec Age of Empire. Ah, par contre faut que le moine il se dépêche là. Attends, c'est par les archers parce que c'est eux qui font plus mal. Faut qu'il revienne en arrière, il va mourir, il va mourir. Sauve Dracula. Oh ça va, c'est plutôt bien passé. Est-ce que j'ai perdu des hommes? Je sais plus du tout à combien j'étais. Ah j'en ai peut-être perdu un. C'est pas opti tout ça. Le temps ils étaient pas avancés encore et c'est ouf ça aussi. Alors qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on va éviter d'y aller. Et par ici. Alors c'est par là où j'aurais dû arriver.
Ah forcément on peut pas. Ok, merci, c'est sympa. Alors je suis obligé de détruire ça. Ah il y a des troupes. Bah on va essayer de les faire venir. Ouais. Ah touche pas mon armée toi. Oula, il y a le canon. Là il fait mal le canon, faudrait qu'il sorte de son trou à rats là. Ah là parfait. Oula le moine. Oula. Oh ça devrait être bon, il va plus pouvoir tirer normalement. Parfait. Ah mais je suis con, je peux envoyer le bélier taper ça. Tout le monde peut taper en fait, hein, doit plus avoir de danger là. Ah, il y a une tour. Faut que tout le monde y aille à fond là. Allez, tout le monde, vous faites plaisir. Non, pas lui. Il va tanker comme d'habitude, là avec une tour en plus ça va passer tranquille, ça c'est cool là. Bonne stratégie, on va devoir pouvoir passer. Normalement jusqu'ici après il ne devrait pas y avoir de soucis, il faut juste que je détruise les barrières ici après. Ah ils sont peut-être prêts à quelqu'un d'autre que Dracula après, ah, je sais pas. Bon allez. Alors j'espère qu'on va pas avoir de soucis. Oula. Alors, est-ce que c'est la fin de la mission s'il vous plaît? Ce voyant, vous avez m'aidé à vaincre ces troupes avant que je ne puisse vous rejoindre. Oh putain. Ah mais j'ai quand même tout ça. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse en objectif? Dans 3 minutes, attaquer la ville, repousser ses troupes, puis raser son commissaire au sud-est. Emret? Ok. Donc, j'ai pas mal de troupes. Et donc, je suppose qu'il faut que je place ça au mieux. Et bah déjà on va retirer toutes les troupes comme ça. Alors, on va faire mieux. On va faire en fonction de... Donc eux ils sont ici parce que ce sont des archers. Deux, ils viennent tous ici parce que ce sont aussi des archers. Donc on va les foutre le plus loin possible, voilà. Mon bélier renforcé, je sais pas où il est mais il va se mettre là. Ça, ça a l'air d'être du corps à corps. Ok, ensuite, archer de cavalerie lourde, pareil, ça, ça va se mettre ici. Ici, le bélier. Ensuite, ça, ça a l'air d'être du corps à corps, donc ça va ici, le corps à corps. Ça, c'est aussi du corps à corps, donc ça va se mettre là. Ça, c'est quoi ça ? Corps à corps, donc ça va aussi se mettre là. Hop, les soldats pareil, lui aussi, le moine aussi. Donc ça c'est mes anciennes troupes, donc pareil là dedans 80, il faudra que je regarde combien j'en perds, j'espère que je vais pas en perdre beaucoup. Le piquet, le soldat et le champion. Ok, tout est bon. Et Dracula qui va se mettre là pour tanker. Le moine qui va se mettre là pour les soigner. Ah, si on fait un gros pâté comme ça, ça devrait passer. Et le onagre, bien sûr. Enfin, le mangono. Qui va me servir à allumer des troupes aussi chargées. Putain, ça a commencé. Allez, j'espère que j'ai pris une bonne technique. On va lui demander de pas attaquer, c'est moi qui vais attaquer pour lui. Ah.
faut attaquer toujours derrière pour éviter de toucher nos troupes. Ah, ça va être une bonne 78, j'ai quand même perdu là. Oula, il y en a un. Il y a des archers en plus. Oula. Oh, c'est bon ça, j'aime. Alors, j'en ai quand même perdu. Mais bon, j'ai dû en allumer plus que ce que j'en ai perdu là. Alors, de mes anciennes troupes, oula, ça revient. Ah, les archers là-dedans, ça va taper fort là. Parfait ça, parfait, bonne défense. Alors je sais pas ce que c'est ça, mais un bélier, ça me fait peur quoi. Oula, c'est quoi ce bordel quoi? On aurait dit un chariot de transport quoi. Leurs troupes se dispersent, poursuivez-les et rasez leur camp. Alors voyons voir. On a résisté à la charge, on a perdu beaucoup d'hommes. Ah putain, il y a des tours. Bon, ça, ça va. Un château, ça, ça va pas. Oh putain. Allez, on a encore un paquet. Alors, on va essayer de les attirer comme on fait d'habitude. Je pense que de toute manière, j'ai pas trop le choix. Hein. L'onacritir là dans le pif. Hop. Ah Dracula, faut pas mourir, faut pas déconner. Hein. Alors le moine, je suis désolé, faut soigner le Dracula. Putain, hein, combien de troupes encore? Tel château, ça va être costaud, hein, je pense. Quoique j'ai deux béliers, il faut que j'envoie Dracula tanker, les béliers ils attaquent. Quoi. Je vais pas pouvoir faire autrement. Ouais, ça devrait être bon. On va essayer d'attirer d'autres troupes. Si, il y en a d'autres, hein. Ça se trouve j'ai tout détruit, donc ce serait cool. Oh putain, mais il repop en boucle, c'est con ou quoi? C'est ouf. Alors voyons voir. Faudrait que je trouve un limite, un endroit sinon pour... Ok, j'en ai deux là-bas. Et c'est tout. Ok, bon on va revenir. Mais c'est quoi cette attaque là? Ah, c'est un général. Faudrait que j'élimine le général en fait. Alors est-ce que je peux attirer le général ou pas? Ce serait cool. Et où ce couillon? Ah putain, je prends cher en fait. Ça va peut-être pas le faire. Non, ça va même pas le faire. Alors, pour envoyer le général, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un château ici. À la limite, j'envoie les troupes comme un taré. Ouais, enfin, s'il voudra pas venir de toute manière.
Donc on va prendre que des troupes de corps à corps, je pense. Eux qui iront pour le... Voilà. Enfin, que du corps à corps, non, justement, je vais éviter les corps à corps. Déjà, pour aller plus vite, tous les uns, ils vont là-bas parce qu'on n'a pas besoin d'eux déjà. Enfin, même ici. Tous les deux vont aller là, et on va voir ce qui nous manque. Non, bah alors ça va être bon. Voilà, donc ça ce sera notre équipe 2. Ça ce sera l'équipe 1. Qu'est-ce qu'il y a dans l'équipe 2? Je crois que j'ai mis le moine en plus. Où c'est que j'ai foutu le moine? Putain. Ah, il est là. Moine groupe 3, ok. Ça, ça va être le groupe 4. Non, ça va être le groupe 4. Alors lui, il a tout récupéré, c'est parfait. Bon bah je crois que j'ai plus trop le choix, va falloir y aller. Oula, Dracula il prend cher, putain c'est ouf quoi. Allez, faut revenir Dracula. Et eux du coup ils peuvent revenir aussi pour pas éviter de gêner les béliers. J'espère que les béliers ont pas la compétence meurtrière, sinon je suis niqué quoi. Eh non, c'est ça qu'il faut attaquer les cocos là. Oh là là là. Allez, soigne Dracula. Allez, soigne-le. Ah, c'est bon, bonne technique là, ça va passer. Bon, t'as intérêt à soigner plus vite qu'il prend de dégâts parce que sinon on est mal barré là. Ah, ça va, il va récupérer. Et heureusement que lui il a pas les meurtrières. Bon, bah ça devrait passer. 52 bonhommes, j'espère que pour la suite c'est bon. Ah, quoi que s'il me demande ça. Ah si, il y a trop de passages, il va y avoir quelque chose d'autre après. Ah, c'est long hein. C'est solide en plus hein. Parfait. Ah non, on va péter ça. Quoi qu'ils peuvent tous y aller péter en fait, hein, on s'en fout. Hein. Vu que c'est Dracula qui prend. Ah voilà, parfait, allez. Maintenant, c'est pépère pour tout le monde. Ah bah quoi, Dracula il va peut-être rester là. Ah, le moine faut qu'il soigne peut-être là, hein. Enfin, on va se mettre au boulot. Hein. Et vaincu, pourquoi vaincu?
Quoi ce bordel? Tamam. Putain, j'ai complètement oublié mon onagre dans l'histoire, il peut toujours servir lui. Donc ça c'est notre groupe 4, l'onagre on va l'appeler groupe 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parfait. Oula, c'est quoi tout ça là? Voici. Oula. C'est eux là les voloïdes? Ok, ça c'est les mecs. Oula, j'aime pas ça. Dans les montagnes, regardez ce champ de bataille. Oh putain, j'espère que j'ai rien à faire là-dedans. Hein. Sélectionnez Ivan pour continuer, ça doit être lui, non. Je l'ignore mais c'est sans importance que leur cavalerie est alignée au premier rang, ce qui veut dire qu'ils chargeront sur ordre. Conduisez-nous à la victoire. Emret se noiera dans son propre sang. Oula. Ok. Donc ce qu'il faut faire c'est comme on avait fait la dernière fois. On met le plus au fond possible, déjà les scorpions. Ici, ça c'est quoi? Ensuite, tout ce que j'ai en deux va se mettre aussi ici. Ça aussi. Ça va aller ici. Archer de cavalerie lourde aussi. Ça va là. Ça c'est quoi? Les hussards du coup, non. Non, c'est... Ah, les hussards vont plutôt se mettre là. C'est quoi ça? Pareil, vous allez vous mettre là. Là, faut que je me dépêche parce que je sens que ça, l'attaque va commencer après. Alors, vous mettez le plus près possible. Ah non, ça c'est mes mecs. Alors, ça on va les mettre à part. On va nous mettre ça le groupe 5. D'ailleurs, groupe 5, on va plutôt les mettre ici. Allez, scorpion ici. Ok, maintenant tout ça. Vous venez ici, vous êtes donc les défenseurs de ce trou, de cette troupe, ça aussi. Vous êtes les défenseurs. Tout ça là, là. Vous mettez là, vous êtes les défenseurs. Donc 5, on va dire que vous vous placez là parce qu'il faut pas que vous creviez, vous, je pense. Le moine il va se foutre là. J'aurais peut-être dû foutre les autres au milieu là. Oh putain, ça va attaquer je pense. Ouais, ça va attaquer. Allez, fais-toi plaisir. Faut attaquer le plus possible mon coco avant de crever. Parce que là t'es pas placé du tout au bon endroit. Y'a quoi? Je crois que j'ai vu des canons. Ouais, y'a des canons, on va pouvoir essayer d'y aller. Hein. Faut qu'ils se mettent là, hein. Faut surtout pas qu'ils meurent, sinon ça je vais l'avoir non plus. Allez, tue-le. Oh putain, il est pas mort. Hop, on attaque eux, c'est bon. À changer en ennemi. C'est qui ça?
pas si vite, recule là, la vache nous appartient. C'est quoi ce bordel, c'est vieux. Les ennemis vont plus tard. Ah, c'est pas là où nous avait dit de fuir. Au port pour embarquer sur un bateau. Oh là là là. C'est par où? C'est ici le port? Allez, fuyez mes amis, laissez. Oh putain. C'est des ennemis tout ça? C'est pas sérieux là. Ils sont tous en train de mourir là du coup et moi je me casse comme une fleur là. C'est n'importe nawak. Et il est où le port Oh le carnage. Là ils se battent vaillamment les hommes hein. Ah c'est dans ce bateau là. Oh le putain de carnage. Et il y résiste hein, quand même hein. Je suis fier d'eux là. Ah la bouche rixée quoi. Les pauvres. Ouah toi, c'est quoi ce bordel là? Y'a même des navires qui nous attaquent et tout. Oh mais c'est du foutage de gueule tout ça. Bonjour monsieur. Ah faut encore passer par là. Eh ben putain. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Merde, j'ai quitté. Dans leur port, placez vos 4 dans le château pour parler au seigneur de l'intérieur. Ok. J'ai perdu mes hommes. Pourquoi ils disent que j'ai 8 de population? Ah parce qu'il me restait mes béliers. Ok. Oui, j'ai gagné. Enfin. Alors, voyons voir. Ok, c'est bien. Cherche un refuge, ouais, c'est bien. Eh ben écoutez, voilà, c'est bon. On se quitte donc pour cet épisode hors série qu'on a gagné. Enfin, 1h09 quand même, ça a été long, ça a été dur. Je pense pas que vous avez tous regardé cette vidéo jusqu'au bout, mais bon, au moins, voilà, vous aurez la technique. Bon, allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis pour une prochaine fois. Bye bye!